Alors ma question est, est-il judicieux de vouloir absolument personnaliser son massage? Eh bien oui, oui, oui. C'est vraiment très important, maintenant que le massage se développe autant, d'apporter sa patte et surtout de répondre au mieux aux demandes du client. C'est-à-dire que lorsque vous aurez personnalisé un client, c'est quasiment le massage d'un client, c'est quasiment un client acquis. C'est-à-dire qu'en termes de fidélisation, il n'y a pas plus efficace. On peut bien sûr reconnaître le client, on peut bien sûr l'appeler par son prénom au bout d'un certain temps, mais lorsqu'il est sous vos mains et qu'il sent que les gestes lui correspondent parfaitement, qu'ils sont parfaitement en réponse à ses attentes, c'est tout simplement merveilleux. La personne sait qu'elle a juste à pousser votre porte et à se laisser aller pour un voyage d'1 heure, 1h30, voire même 2 heures, pourquoi pas, et que vous allez vraiment répondre à toutes ses attentes. Donc, dans cet esprit-là, j'ai créé et présenté ici, j'ai eu le bonheur de présenter au Congrès des Nouvelles Esthétiques une formation qui s'appelle le massage des trois doshas, Vata, Pitta et Kapha. Et en Ayurveda, en fait, on sait que chaque personne est unique parce que chacun a une proportion de Vata, Pitta et Kapha qui lui est propre. Lors de cette formation, vous apprendrez à définir le morphotype, le type doshique, Vata, Pitta et Kapha étant appelés les doshas, littéralement ce qui change. Les doshas veut dire ce qui change. Et donc, vous allez à chaque fois personnaliser le massage de votre client en rapport avec ses attentes du moment et avec son état d'esprit, tout simplement. Une fois, il peut venir avec une grande force, une grande forme. Et là, vous allez réguler un peu son énergie. En revanche, une fois, le client peut se présenter un petit peu dépité, un petit peu avec un petit coup de moins bien, on va dire. Et bien là, vous allez le rebooster, il va repartir tout à fait serein et heureux d'avoir reçu un massage de votre part. Et il reviendra d'autant plus facilement qu'il sera maintenant convaincu que, quel que soit son état d'esprit, quel que soit son état de forme, vous répondrez toujours à ses attentes.